Je te préviens, ce sera plus étrange que d'habitude. On n'a pas le choix. Tu m'as appelé, alors me voilà. Je sais, je t'ai ignoré parfois. Mais je suis toujours contente de t'entendre. C'est juste que j'ai tendance à espérer un peu vite. Et trop souvent, ça n'a rien donné. Je n'ai rien trouvé. C'est comme si tu vivais dans une chambre avec un poster sur le mur. On regarde le poster en pensant que le monde, c'est que ça. La chambre et le poster. Le poster est plutôt sympa. Un paysage ou quelqu'un de connu. Comme dans ce film, avec la prison, c'est quoi le titre? Bref, la chambre est une cellule. Et l'image, elle est différente pour chacun de nous. Elle peut être magnifique, ou laide, dégoûtante ou triste, mais elle nous obsède. Et ce n'est qu'un mensonge, une distraction pour mieux nous cacher la vérité. Ils nous mentent. On se ment à nous-mêmes. Cette chambre, c'est pas le monde. Le monde, il est bien plus grand. Et bien plus étrange. Il y a un trou caché derrière le poster. Ça mène au véritable monde. On se sent en sécurité dans la chambre. Mais parfois... parfois il arrive qu'une chose surgisse de derrière le poster. Ceux qui en sont témoins paniquent. Et essaient d'oublier ce qu'ils ont vu. Je suis ici. Explique-moi pourquoi. Eh oh ! Y'a quelqu'un ? Bureau fédéral de contrôle. Toutes ces années, je l'ai cherché, il était là, juste sous mon nez. Excusez-moi. Ah, te voilà. Je suis là à cause de travail. Assistant concierge. Tu dois passer l'entretien. Va vers l'ascenseur. Merci. L'ascenseur de ce côté. Compris. Très bon. Au fait, je suis Hattie, le concierge. Tu vas travailler pour moi. Tu peux dire que c'est moi qui envoie toi. S'ils ne te prennent pas, Nignoa Ohevet. Il y a du travail pour Ash. Amène-le derrière son âge, Malaut.
J'ai fait suffisamment de jobs de nuit pour savoir que ça peut paraître un peu bizarre. Pour moi, a-t-il concierge a plutôt l'air sympa. La cellule et le poster. J'avais 11 ans la première fois que j'ai vu au-delà du poster. On m'a dit que je l'avais imaginé. Depuis, j'essaye de l'arracher. Vous allez m'aider ? Que je t'ai perdu, juste pour un moment. Tu sais à qui je pense, mon petit frère Dylan. Ça fait 17 ans que les gens de ce bureau l'ont pris.
Merde. Tu veux que je la récupère? L'arme qu'il a utilisée? Vraiment? Et voilà pour le poster. Les objets de pouvoir peuvent causer ou être le résultat d'EAM, événements d'altération de monde, qui altèrent comment nous percevons la réalité. L'arme de service est, bien sûr, l'exemple typique d'un ODP, c'est-à-dire une arme très puissante. Intégrée dans l'ADN du bureau, un composant indispensable du programme de candidat primaire. Si vous remportez cette roulette russe, et... et c'est gagné. Regardez-moi cet endroit. Mais je suis où? La même arme. Bon, maintenant j'ai une arme. C'était juste du bruit, mais j'ai pu distinguer chaque mot. Cette arme est vivante. Tu sais quoi? Je suis contente. Contente d'être ici. T'avais raison. La situation s'est calmée dehors. Est-ce que je peux y aller? Tu dois intervenir. Oh, c'est fini. Oh, merci. Oh, c'était horrible. Thank you.
objets de pouvoir. Peuvent causer ou être le résultat d'EAM, événements d'altération de monde, qui altèrent comment nous percevons la réalité. Une remarque. Pensez à couvrir leur connexion au plan astral également, ok? Alors, l'arme de service est, bien sûr, l'exemple typique d'un ODP, c'est-à-dire une arme très puissante. Intégré dans l'ADN du bureau, un composant indispensable du programme de candidat primaire. Si vous remportez cette roulette russe, c'est... et c'est gagné. Mais si vous perdez, et c'est... eh bien, au revoir. Merci bien. Je suis le docteur Darling, directeur de recherche du Bureau fédéral de contrôle. Rappel. Si vous faites l'expérience d'une mutation de bâtiment imprévue, suivez ces étapes très simples. 1. Vérifiez si un objet altéré ou un objet de pouvoir se trouve dans la pièce. 2. Transportez l'objet altéré ou l'objet de pouvoir dans un abri proche. 3. Attendez que le personnel du bureau vous y retrouve. S'il n'y a pas d'objet altéré ou d'objet de pouvoir dans les environs, contactez votre superviseur via l'intercom le plus proche et attendez des instructions. Merci de votre attention.
m'envahir plus tôt. Le hiss. Il se faufile partout, dans tous les coins. Lui, c'est ton ennemi. Je veux dire, c'est notre ennemi. Aide-moi à réparer ça. Putain de merde! T'as réussi! Ça a marché! Avec le bureau, vous êtes saine d'esprit. Vous n'imaginez pas à quel point je suis contente de voir quelqu'un de sain. C'est partagé. Je m'appelle Pope, Emily Pope, l'assistante du docteur Darling. À mon tour. Je devrais mentir. Jesse Faden, je ne fais que visiter. J'aurais dû mentir. Oh merde! Vous êtes la nouvelle directrice! Attendez, on va sortir! Directrice Faden. Appelez-moi Jessie. Ok, Jessie. Je suis Emily. Je ne sais comment cette force, ce... Hiss? Pourquoi pas. Ce Hiss a réussi à infiltrer le bâtiment sans que personne ne le voie. Et d'un seul coup, le nom que je lui ai donné est officiel. Le Hiss. Comme le son d'un gaz toxique qui fuit. Le bâtiment est verrouillé. On dirait qu'il s'est propagé partout et à tous ceux qui n'étaient pas protégés par un ARP. Ou en l'occurrence, par vous. Vous êtes la directrice et ça vous rend spécial par définition. Trench n'est plus le directeur, de toute évidence. Oh, désolée, je parle un peu trop. Tout ce chaos, ça fait beaucoup à gérer. Trench est mort. Flagué. Ah. J'ai trouvé son corps. Ainsi que l'arme. Je lui dis que ça ressemblait à un suicide. L'arme de service. Et je sais que ça peut paraître fou, mais je le vois de temps en temps. Il me parle. Je ne comprends pas tout, mais il m'a dit de purifier le point de contrôle, de repousser le hiss. La salle tout entière a bougé. C'était vous ? Et vous êtes entrée alors que le verrouillage était déjà actif, avant même de devenir la directrice ? Comment ? Je ne suis pas prête à lui parler de toi. Le concierge m'a fait entrer. Oh, génial ! Putain, c'est vraiment incompréhensible ! C'est... Oh, je peux même pas... Bon, Jessie, j'ai un million de questions. Vous devez en avoir tout autant. Genre, vous connaissez mon frère Dylan ? Pas encore. Mais je dois vous demander de faire une chose avant. Si vous purifiez un point de contrôle, vous pourrez peut-être soigner ces infectés, possédés par le Hiss. Si jamais c'est possible, nos options seront très différentes. Emily Pope. Je la connais pas, mais je l'apprécie déjà. Elle est à l'opposé de l'agence de l'âge que je rends responsable de ce qui m'arrive depuis si longtemps. Mais elle n'a pas encore ma confiance. Ni elle, ni le bureau dont elle fait partie. Oui. J'essaierai.
Je parle pour toi, bien sûr. On essaiera ensemble. Ok. T'es avec moi? On l'a déjà fait. Repoussez le hiss. Le I, c'était bien trop ancré. Le supprimer, on revient à les supprimer. Je peux pas les purifier. J'ai vu. Ça ne coûtait rien d'essayer. Merci, directrice. Jessie. Je vais lui dire pourquoi je suis là. Il est temps. Écoutez. Le bureau a été impliqué dans un accident. Dans ma ville, Ordinary, il y a 17 ans. Il est venu et a étouffé toute l'affaire. Ça fait longtemps que je cherche cet endroit. Ça suffit. J'en ai déjà trop dit. Je peux pas encore lui parler de Dylan et de tout le reste. J'ai entendu parler d'un cas d'événement d'altération de monde impliquant Ordinary. Vous étiez sur le site, enfant ? C'était un cas majeur, avant que je n'arrive. Et très confidentiel. Je peux tenter de fouiller de vieux dossiers pour vous. Mon chef, Casper Darling, saurait, lui. Mais il a disparu. Je pense qu'il savait que ça arriverait, ou s'en doutait. Il a mis au point les ARP, amplificateurs de résonance polyèdre. C'est ce qui nous a sauvés, en partie. Le directeur Trench saurait aussi. Trench, le fantôme ou... je sais pas quoi... Il a mentionné quelque chose. La hotline. Il veut que je la trouve. C'est un autre objet de pouvoir comme votre arme. Un vieux téléphone en bakélite. Une ligne directe de communication entre le directeur et le comité. Il pourra peut-être vous parler plus clairement avec ça. Je veux dire, Trench a des années d'expérience derrière lui. Il pourrait savoir comment détruire le Hiss. Où se trouve la hotline ? On la garde dans le département des communications via la salle du courrier. Elle se trouve dans ce secteur, donc on peut y accéder même quand le verrouillage est actif. On va vous ouvrir la porte. D'accord. Je vais aller voir ça. C'est le département de Tomassi, le chef des communications. Je crois qu'il n'avait pas d'ARP. Je l'ai entendu dire qu'il ne voulait surtout pas emporter. Soyez prudente. Il m'appelle la directrice. Mais il se trompe. C'est vraiment pas mon genre de diriger. Pourquoi je suis là? Je pense que tu le sais déjà. Oui, je suis là pour mon frère. Mais... j'ai aussi d'autres raisons. J'ai dit que je cherchais des réponses, mais je risque de ne jamais les comprendre. Je ne veux pas de preuves, j'en ai déjà. Et plus qu'assez. Malgré ce qu'on m'a raconté pendant des années, maintenant, je sais que c'était réel. Je ne l'ai pas imaginé. Je veux faire partie de ce monde. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai fini par le trouver, juste avant que Loïs ne détruise tout.
c'est tout nouveau pour vous, alors n'hésitez pas à me demander tout ce que vous voulez savoir. Il n'y a pas de questions stupides. La porte... La hotline devrait être dans le département des communications. C'est quoi l'origine du Hiss ? Je n'en suis pas sûre. Vous avez dit que le Hiss était là quand vous êtes entrée. En avez-vous vu quand vous étiez dehors avant d'entrer ? Non. Non, juste ici. Sa source est donc interne. L'ancienne maison est un énorme complexe, doté de portes vers... d'autres lieux. Je ne saurais même pas par où commencer à chercher. Mais ça fait au moins une bonne nouvelle. Le verrouillage tient bon. Ce serait la fin de tout si le Hiss quittait le bâtiment. Le monde au dehors est loin d'être parfait, mais je ne voudrais pas que le Hiss le détruise. On est d'accord, Emily. Vous avez mentionné l'ancienne maison. C'est quoi ? Ce bâtiment, le QG du bureau, l'ancienne maison, est un lieu changeant. Vous l'avez vu, il transcende ses limites physiques. Je suis déjà allée à New York avant. Pourquoi je me souviens pas de ce lieu ? C'est une caractéristique du bâtiment. C'est un lieu de pouvoir. L'ancienne maison n'aime pas l'attention, alors à moins de la chercher volontairement, on ne la trouve pas. Ce qui nous va très bien. Le travail que nous faisons est essentiel, mais... dangereux. Le bureau préfère éviter de se faire remarquer, et il nous faut des murs solides pour que rien ne fuit. Alors sans toi, j'aurais jamais pu trouver la porte d'entrée. D'accord. Ce trench là... j'arrête pas de l'entendre dans ma tête. C'est un fantôme ? Il me hante ? Je doute qu'il s'agisse d'un fantôme à proprement parler, mais d'un écho, peut-être. Vous voyez, s'il a été tué par une arme de service, votre arme, il s'agit peut-être de ses dernières pensées, enregistrées par la balle dans sa tête, comme une sonde spatiale qui renverrait des données. Ce n'est qu'une hypothèse de ma part. J'aurais besoin de l'arme pour l'étudier. Mais vous feriez mieux de la garder, vu les circonstances. Ça me paraît bien. Oui. Vous pouvez me dire ce que c'est qu'un objet de pouvoir, exactement ? C'est... tout nouveau pour moi. Pas de problème, j'adore enseigner les bases. Alors, les objets de pouvoir sont des objets du quotidien contenant des énergies paranaturelles et possédant un lien vers le plan astral, ce qui les rend contrôlables. À l'inverse des objets altérés qui contiennent également des forces paranaturelles mais plus instables, ce qui nous empêche de les exploiter à des fins para-utilitaires. Vous comprenez ? Est-ce qu'elle a appris ça par cœur ? Ok. Merci. Donc, les ARP permettent d'échapper au Hiss ? On dirait bien. Je n'avais jamais entendu parler d'ARP avant. Il y a quelques semaines, le docteur Darling a commencé à en distribuer. Alors, j'ai analysé le mien dès que je l'ai reçu. Il semble émettre une puissante fréquence à courte portée, bien plus forte que tout ce que j'ai pu voir auparavant. La coïncidence ne vous paraît pas bizarre ? Si, bien sûr. Le docteur Darling a l'habitude de dévoiler ses dernières découvertes lors de grandes présentations. Et cette fois, il s'est contenté de les distribuer. Son attitude semble indiquer qu'il savait certaines choses. Merci, Emily. Je reviendrai bientôt avec d'autres questions. Quand vous voulez.